TV Service, oui, votre quotidienne, bien sûr, dans votre télé. Aujourd'hui, encore une fois, je répète, on est en mode cinéma. Je vous rappelle aussi qu'on est avec Julien Dalle qui sort son film Secret de Famille. Donc, on a eu un des techniciens, maintenant on a un des acteurs. Alors, on connaît tous ici en Guadeloupe parce qu'il a toujours chanté « Oh là, ok, boy, Mila Sakabay, je reçois l'homme Darkman. » Comment ça va? Ça va, la forme, ça fait plaisir. On est très bien reçu. T'as vu? À TV, il n'y a rien à dire. Je mets les petits plats dans les grands. Vous êtes à l'aise? On est à l'aise. Alors justement, Darkman, comme je l'ai dit avant, bien sûr dans les années 90, on t'a connu, tu étais l'un des rappeurs vraiment emblématiques de la Guadeloupe, la Horde Noire. Tu as continué. Alors dis-moi un petit peu comment s'est passée la transition de rappeur à acteur. Est-ce que ces deux mondes finalement se rapprochent? Ouais, je pense qu'ils sont jumeaux. Ouais. Ils sont aussi à moi. Ça s'est passé comment? Ben, sur mon tournage de mon premier clip, Mila Sakabay, avec Dali et Digno à l'époque, on a fait la rencontre de Jean-Claude Flamand et Jean-Luc Stanislas, okay, qui sont deux super réalisateurs, entre autres, qui ont travaillé, qui ont fait Negmaro. Ouais. Voilà. Et Jean-Claude m'a donné un rôle dans Negmaro aux côtés de Dali pendant un moment. Et c'est là que j'ai découvert l'ambiance de tournage, la façon de jouer, etc. J'ai beaucoup appris là et ça m'a mis un tilt dans la tête et je me suis dit, je vais travailler ça. Et mine de, parce qu'on rappelle bien sûr aussi que tu étais donc rappeur, que tu es toujours rappeur, tu avais une période quand même où tu as écrit, tu écrivais un petit roman, si je me rappelle bien, avec les protagonistes de ton Facebook, tu prenais un petit peu, tu écrivais une histoire autour d'eux. Donc là aussi, tu as une passion aussi pour l'écriture. Oui, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça depuis enfant. Et pendant les 44 jours de grève du LKP, en 2009, on était bloqué à la maison avec ma compagne et mon fils, qui était tout nouveau-né. Et j'ai commencé un jeu sur Internet, en fait, où j'écrivais un roman au jour le jour, un roman interactif, où les personnages du roman étaient tous mes abonnés Facebook. Et en gros, comme il y avait énormément d'abonnés dans l'histoire, pour pouvoir m'en débarrasser, il fallait que je les tue. Donc, exactement. J'appelle ça massacre sur Facebook. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Parce que franchement, si vous n'avez jamais lu ça, c'était vraiment une pure création. Ça détendait, on rigolait. Il y avait de la fiction, du surnaturel. Il y avait un petit peu de tout. Où est-ce qu'on peut trouver encore massacre sur Facebook? Oui, on peut trouver parce que j'avais fait un site internet à l'époque. Il est toujours actif. Et il y a encore des vidéos sur YouTube parce que c'était un roman qui se lisait avec de la vidéo, de la musique et de la BD. Ok. Tu es encore allé. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce que tu es allé démarcher? Est-ce que c'est lui qui est venu passer un casting ou est-ce que c'est toi qui es allé vers Darkman pour qu'il joue dans ton film? Mais moi, déjà, Darkman, je le connais depuis le collège Rézé. Ok. On est de la même génération, on a fait le collège Rézé ensemble. Et puis, donc, pour moi, à la base, c'était pas Darkman, c'était Pascal. Je ne sais pas si je donne un scoop, je ne voudrais peut-être pas. Non, mais donc tout de suite, enfin Pascal, donc c'était un personnage. Et puis surtout, quand on a fait les Conques, évidemment le film se passait à Paris, donc il se passait pas avec un personnage qui aurait pu interpréter Pascal, puisque c'était un genre d'autobiographie. Mais quand on a décidé de faire Retour au pays, et ça je pense que je ne lui ai peut-être jamais dit, quand j'ai écrit Retour au pays, j'écrivais un gars qui rentre au pays et un autre qui est à la fois musicien et qui est travailleur. Ouais. Et puis plus j'écrivais en fait le scénario, et plus je me disais à un moment donné, plus je pensais à mes amis qui sont musiciens, parce que tous ce sont mes amis, Disney, Exos, qu'on salue bien sûr, voilà, Star J, Gary, etc. Et Darkman. Et en fait, plus j'écrivais les scénarios, plus je voyais en fait Pascal. Et, okay. et Darkman m'a aidé en fait quelque part, un peu au fil du scénario, à faire évoluer le scénario. Et Retour au pays dont on parlait, donc qui est un film qui a été projeté un grand nombre de fois en Guadeloupe, j'ai une autre chose à lui dire, parce que je ne sais pas si je lui ai dit, même si on parle souvent, c'est que le plus souvent, alors bien sûr les gens sont contents d'avoir vu Firmin et sont contents de sa prestation, mais la personne, et Laurent aussi, Laurent Erlon, l'acteur principal, que je salue, aussi a une prestation qui est super forte. Mais effectivement, le plus souvent, les gens sont complètement bluffés par la prestation qu'a eu Darkman dans Retour au pays. Donc c'est tout naturellement quand j'écris le film d'après Secret de Famille qu'on allait tourner en Angleterre,
que j'ai cherché aussi dans l'écriture à inclure des frères, et que dans les frères, effectivement, je pensais déjà que j'aimerais bien qu'ils reviennent. On a bien fait de ne pas mettre ça à l'époque, ça m'a mis tout pression. Voilà, exactement. En tout cas, on en parle depuis tout à l'heure. On va balancer, bien sûr, le teaser, la bande-annonce du film, donc Secret de famille, qui sort le 8 novembre. Juste une petite question avant de balancer. Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi être allé tourner à Londres? Alors, parce que moi, j'ai habité, donc j'ai quitté la Guadeloupe, et ouais. Je suis revenu depuis, mais entre-temps, j'ai vécu 5 ans en Angleterre. Et quand je vivais en Angleterre, en fait, j'allais beaucoup dans les forêts anglaises. Ouais. Il y a des forêts très vite autour de Londres. Et du coup, j'ai pensé en fait à germer cette histoire de famille antillaise isolée. Okay. Parce que moi, les vers la terre, lorsque j'avais froid, je me retrouvais dans ces forêts-là, etc. Donc le pays me manquait. Ouais. Et donc je me disais, mais c'est vrai qu'il y a des gens en fait qui sont jamais revenus au pays et qui passent leur vie en fait très loin de Guadeloupe. Donc après Retour au pays, où j'avais fait un film sur le retour au pays qui se passait en Guadeloupe, etc., j'avais envie en fait de faire un film un peu hommage plus à la diaspora. Ouais. Antillaise qui va au loin et puis parfois qui ne revient pas, qui passe sa vie un peu au loin. Et voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc tout de suite, on vous en a parlé, c'est l'heure de regarder le teaser et on se retrouve juste après. Mon père était musicien dans un groupe de musique jamaïcaine. Il vient faire un concert en Guadeloupe, puis il rencontre maman. Ensuite, l'Angleterre fait appel aux Jamaïcains pour construire leur métro. Papa prend le bateau, maman le suit. Ça a été la bonne époque. À un moment, on avait de l'argent. Ce qui nous a permis de retourner en vacances en Guadeloupe et en Jamaïque. Je pense que c'est ce voyage qui a détruit l'unité familiale. I can't take it anymore. Il y a un ressort qui s'est cassé chez toi. T'as commencé à couper les ponts avec tout le monde, avec ta famille. Et maintenant, t'es plus le même. Since he went through this terrible family tragedy 5 years ago. Tu la fermes. Tu m'enchaînes pas ça. On n'est pas là pour ça, d'accord? Tu me respectes pas là. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que tu me veux? Je pense avoir été clair, non? Je veux plus rien avoir à faire avec vous. Je sais, mais les choses ont changé, Paul. Que je suis sincèrement désolé de t'avoir fait porter ce fardeau. Chaque jour qui passe, je prie Dieu de me pardonner ce terrible péché. Been playing poker again. I've lost my job. Je n'ai jamais dû te suivre jusqu'ici. On se retrouve chez maman et on tâche de lui faire une bonne fête. I don't give a shit. Mais franchement, tu t'es perdu en route, mon pote. Ah, arrête de me casser les couilles avec ça, ok? Des mères qui vont m'empêcher de faire mon bord pas mes enfants. Oui, allez, pas touché. Le problème, c'est que je n'existe pas. Je n'ai aucun souvenir de toi. In this country, you have to respect people. Ok? Je remets plus les pieds chez moi, s'il te plaît. Tu commences tout juste à entrevoir la réalité. I want you to die, Peter! I want you to die! De retour donc sur le plateau de ETV Service après la bonne annonce de Secret de famille en salle dès le 8 novembre, bien sûr. Et oui, un film de Julien Dalle et bien sûr l'acteur, un des acteurs avec nous, il s'appelle Darkman. Et là, tu sais que beaucoup de personnes doivent se dire, mais Darkman est acteur, mais il faut leur donner un petit peu ton CV, sachant que tu as joué donc dans Platane, que tu as joué dans All Inclusive. Donc en fait, tu es un habitué des longs métrages et même des courts métrages. Ouais, effectivement. Après la musique, après la période de musique, j'ai eu la chance de rencontrer des gens sur les tournages de nos clips justement, ouais. Qui ont fait des courts-métrages ou qui me présentaient à d'autres réalisateurs, des agents, etc. Et de fil en aiguille. Et tu as pris des cours d'actorat ou c'est naturel? J'ai pas pris de cours. Donc tu es autodidacte en gros? Je suis autodidacte. Okay. Je me suis toujours intéressé. J'ai toujours, quand je regarde des films ou quand je regarde des masterclass, ouais. Je suis allé à des masterclass. Et je suis vraiment une éponge, quoi. Je regarde vraiment. Et je me laisse pas juste absorber par l'histoire. Je regarde vraiment le jeu des acteurs, comment ils jouent, comment. Voilà.
J'ai des acteurs, effectivement, qui m'ont beaucoup inspiré. Et voilà quoi. Et justement, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu fais énormément de petites vidéos. Est-ce que tu penses, là aussi, que c'est primordial d'être H24, enfin quand on dit H24, c'est d'être visible sur Facebook, Internet, Snapchat et de faire des petites stories comme ça? Pour ma part, oui, ça fait partie de ma stratégie de communication. Pourquoi? Parce que, comme on m'a souvent dit, quand je voulais participer à certains tournages ou vendre certains scénarios, on m'a toujours dit que je n'étais pas bankable. Ok. Bankable, c'est-à-dire que... On ne peut pas trop miser sur toi. On ne peut pas miser sur toi pour déplacer des gens. Ouais. Et je me suis dit, comparativement aux acteurs français qui sont dans le game, et les hommes de couleur particulièrement, j'ai remarqué que la plupart qui sont dans le game, ils ont souvent un spectacle. Ouais. Ils ont souvent un spectacle et que moi, je n'en ai pas. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui peut me rendre bankable? Qu'est-ce qu'aujourd'hui peut faire que je sois connu de tous? Ben, c'est le fait que tout le monde a un téléphone portable, donc je me retrouve dans tous les téléphones portables. Ok. C'était ma stratégie. Je dis, tous les gens qui ont un téléphone portable doivent me connaître. Parce que c'est important, encore une fois, on va donner les réseaux, mais il fait plein de petits, limites, on va appeler ça des petits courts-métrages, des petits sketchs que tu écris. Oui. Comment est-ce que tu recrutes les acteurs? Ils sont faciles à recruter, ce sont des amis. Parce que allez vraiment voir, parce qu'il y a pour tous les thèmes, et c'est vraiment excellent, quoi. C'est assez compliqué, parce que les gens ont du mal à se mettre en image, ouais. Tu vois. Et c'est assez compliqué pour les faire jouer du Sénat, etc. Ils ont peur qu'on se moque d'eux. Ouais. Ah, ils ont beaucoup. C'est une peur qui est encore très forte. Ils ont peur qu'on se moque d'eux, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a peur de la caméra souvent. Ouais. On bug. Mais ça commence à aller. Les filles commencent à se lâcher un peu plus. Donc je tourne pas mal avec des filles. Et oui, c'est moi qui écris, c'est moi qui m'enseigne. Et je travaille avec un jeune cadreur qui s'appelle Alex. Ok. Miséricorde. Et ça se passe super bien. D'accord. On voit aussi que tu attaques beaucoup les filles. On sait que c'est fait avec amour lorsqu'on connaît. Mais est-ce que tu sais que de toute façon, tu vas toujours buzzer quand tu vas parler des filles? Ou est-ce que c'est pour les taquiner parce que finalement, tu les aimes bien? Ah non, c'est pas... Encore, ça revient à une stratégie de communication qui était qu'en fait, dans mon expérience par rapport à la musique, je me suis dit qu'au final, le public masculin, entre guillemets, ne sert à rien. Non, je m'explique, je vois pour ma logique. Je me suis dit, ça sert à rien sur les réseaux, dans le sens que c'est surtout un public qui il va commenter, il va se moquer, mais il va pas spécialement partager, ouais. Prendre à cœur. Il va pas liker, voilà. Il va pas, ouais. Tandis que les filles, on peut jouer sur leur curiosité et leur sens du partage, c'est autre chose. Ah, vous voyez. J'ai plutôt misé ma stratégie de communication sur le public féminin. Ok, est-ce que tu vois plus loin que la Guadeloupe? Est-ce que tu te vois, par exemple, aller jouer dans des films en France ou même aux États-Unis ou même faire une collaboration? Qui sait, parce qu'on sait que le cinéma caribéen se développe. Donc, il y a Haïti, il y a Grenade, il y a Barbade. Est-ce que tu te vois aller plus loin? Oui, c'est pour ça que j'ai toujours continué à travailler les langues, à apprendre l'anglais, travailler mon anglais, travailler mon espagnol. Oui, je rêve d'international, de national, oui. Je pense qu'on a tous les talents ici, aussi bien au niveau de l'acting, que de la technique, que de la réalisation, et que des scénarios, c'est clair. Quelle est ta vision justement sur notre cinéma? Pouvoir travailler justement avec... Là, tu connais un petit peu le milieu audiovisuel ici en Guadeloupe, tu connais Julien Dalle, maintenant tu connais Fermine Richard comme si c'était ta deuxième maman. C'est clair. Tu connais un petit peu tous les techniciens, tous les acteurs. Voilà, exactement. Et tu connais les acteurs. Alors, qu'est-ce qui manque justement à nos producteurs, à nos acteurs, à nos réalisateurs pour emmener notre cinéma un petit peu plus haut? Je veux te dire des moyens financiers. Décidément, ça revient souvent. Ouais, mais en même temps, ça dépend pourquoi. Ouais. Je m'explique. Si le cinéma, c'est raconter des histoires avec des images, on peut le faire avec un téléphone portable actuellement. Ouais. Il y a d'ailleurs des festivals, faire un téléphone portable. Maintenant, si on veut attaquer le niveau national, on veut mettre de la qualité, on veut mettre des moyens, on veut pouvoir passer de tel lieu à tel lieu, faire des effets, etc. Là, il faut mettre des moyens. Okay. Là, c'est clairement une question de moyens parce que, comme je le redis, on a des jeunes qui sont formés dans des très bonnes écoles, aussi bien à l'étranger. On a des jeunes qui sont formés aux États-Unis, en Angleterre, en Inde, aussi bien dans la 3D, dans le son, dans tout. On a tout ce qu'il faut actuellement en matière d'œuvre et en matière en comédien. Ça, c'est clair. Okay. On est OP. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. On est opérationnel. Les scénarios sont là, les réalisateurs sont là. Je salue des jeunes comme Axel Changa, comme notre pote Jaïe Samuel Ntanda. C'est bon, on est prêt. Maintenant, c'est vraiment... il faut casser la tirelire.
Il faut casser la théorie. Je crois que justement avec ton association Alma, tu aides à ce niveau-là aussi. Ouais, mais par rapport à ce que Pascal disait, puis pour les réseaux sociaux et le film Secret de famille, qui sort donc en salle le 8 novembre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important d'avoir tout type de public qui vienne. Et effectivement, on a un public via le ciné-club et toutes les projections qu'on fait dans toute la Guadeloupe, qui est principalement un public de gens qui ont notre âge et quadragénaire et plus. Ouais. Et effectivement, on invite vraiment aussi la jeunesse guadeloupéenne à venir voir le film Secret de famille, parce que c'est un film qui parle d'un jeune banquier en Angleterre. Et donc, on pense que c'est un film qui plaira aussi aux jeunes. Et effectivement, Pascal Darkman dans les réseaux sociaux. C'est senti tout seul. Allez, c'est bon. Ben, les gens savent. Oui. Darkman dans les réseaux sociaux, effectivement, il a un public, comme on disait, essentiellement féminin et aussi très jeune. Donc, ce serait vraiment intéressant que ce public vienne aussi voir le film pour pouvoir montrer aussi que les jeunes ne sont pas intéressés que par Avengers quand ils vont au cinéma. Ils peuvent aussi voir un film guadeloupéen qui parle de jeunes guadeloupéens qui sont en Angleterre, etc. Donc c'est vraiment un appel aussi qu'on fait à eux pour leur dire que nous, quand on était jeunes, ben, on n'avait pas la possibilité ou très peu la possibilité de voir des films guadeloupéens avec des acteurs guadeloupéens et des techniciens guadeloupéens au cinéma. Et que c'est super intéressant de se dire que là, on l'a fait, il y en a quand même. Donc il faut vraiment venir représenter et puis... C'est comme un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand on voit un premier film guadeloupéen, on en voit un deuxième, on en voit un troisième, etc. Finalement, on reconnaît les têtes d'affiche, comme Firmin, Darkman, comme, je ne sais pas, moi, Admiralty, qui était dans Retour au pays, mais bon, il est connu, bien sûr, par la musique. Et mais... puis tous nos jeunes qui montent, Mad Lovers. Et par exemple, Dali et Admiralty, qui jouaient dans Negmaro, ils ont fait une super prestation. Donc on voit qu'on a tout un tas de jeunes, et je suis sûr que dans le milieu de la musique, notamment du hip-hop, il y aurait beaucoup de gens, par exemple Starji, il jouait dans Retour au pays. Donc il a un rôle très important dans Retour au pays, c'est le méchant du film. Donc tous ces gens-là qui ont été, entre guillemets, qui ont grandi dans le milieu de la musique, on a l'habitude aussi de se mettre en scène. Et donc du coup, devant la caméra, c'est une mine d'or pour nous les réalisateurs. Donc on ne compte pas le nombre de musiciens qui sont devenus... qui travaillent dans l'audiovisuel, c'est vrai. Qui sont super dans l'audiovisuel. Exactement. Et donc voilà, donc c'est vraiment important ça. Et nous, on fait un grand travail. En parallèle donc du bureau des tournages qui fait un travail pour amener des productions en Guadeloupe, nous on a décidé il y a 5 ans avec l'association Alma et quelques personnes de faire un travail complémentaire pour pouvoir ramener le public guadeloupéen dans les salles. Donc on a multiplié les ciné-clubs en Guadeloupe. On a avec Jean-Marc Césaire qui le fait depuis bien plus longtemps que nous, on organise des projections avec des écoles, avec des associations, etc. Et ça ramène un peu les gens avec des projections débats pour voir leurs films antillais. Donc les films antillais qui sont cultes, comme Mamito, Coco la fleur, 1802, entre autres de Christian Lara, mais aussi pour revoir des films de Guy Deslauriers, de Jean-Claude Barny, et aussi les nôtres. Et donc, en fait, les gens, donc du coup, ces espaces où il y a des projections gratuites amènent les gens à avoir vu plein de films antillais, guadeloupéens, qui n'ont jamais vu, quoi. Et surtout les jeunes générations, on les invite aussi à venir dans ces ciné-clubs, parce qu'une fois que le cinéma antillais a créé son passé, et c'est ce qu'on essaie de recréer, lui recréer une histoire, le présent, c'est avec des films comme Secret de famille qui sort au cinéma. Et puis, c'est un terreau, je pense, qui sera très favorable pour que on puisse avoir le soutien de tout le monde. Je pense effectivement que les collectivités devraient beaucoup plus financer les longs métrages qu'on fait, mais je pense aussi que nous, il fallait qu'on fasse ce travail complémentaire pour petit à petit, dans des petites salles, pour remobiliser le public guadeloupéen. On espère qu'on l'a fait suffisamment ces 5 dernières années. Il y a eu à peu près 150 projections qui ont été faites ces 5 dernières années. Et on espère que tous ces gens-là qui sont venus dans ces projections répondront présents pour Secret de famille en salle de cinéma. Et si on a réussi notre pari, je pense que c'est tout naturellement qu'on va se rendre compte. Darkman parlait de bankable. Si par exemple le film de Secret de famille
fait un nombre d'entrées conséquent, ben ça va montrer aussi à tous les gens qui peuvent nous accompagner, le privé ou les collectivités, ben qu'effectivement les films antillais ont un public qui répond enfin présent. Okay. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc si c'est le cas, notamment sur ce film-là, mais peut-être aussi pour le film, les films que sortent ou que vont sortir Christian Lara, Mariette Montpierre, Jean-Claude Barny, eh ben, si on arrive à faire ça, on va réussir à montrer que ces films sont bankable, et puis donc on va réussir automatiquement à avoir les fonds pour en faire de nouveau. De nouveau. Donc moi je donne rendez-vous et largué aussi au public guadeloupéen pour vraiment soutenir ce film qui en plus a eu le prix du public, donc a priori il plaît. Il devrait plaire. Et pour qu'on puisse dès la fin de la sortie du film enclencher pour préparer le quatrième film où je pense qu'il y aura à nouveau les acteurs fétiches que j'aime ou que d'autres réalisateurs puissent avoir ben, des facilités pour pouvoir convaincre les investisseurs. Voilà. All right, mais il vous a tout dit, il vous a motivé. Et oui, levez-vous derrière vos films parce qu'on le mérite. Franchement, on est fort. On va pas blaguer, mais on est fort. Et d'ailleurs, lui, il faut le suivre. Alors, tu vas donner maintenant, là, tout de suite, sur le plateau, toutes tes adresses. Vas-y, de toute façon, ça va s'afficher. Suivez-le, suivez ses stories. Allez voir ses courts-métrages parce qu'honnêtement, il y a de l'imagination, il y a du travail. Et encore une fois, c'est du local, c'est de la Guadeloupe. Vas-y, balance. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, dans Quel est le show d'Armel la nuit. Instagram Darkman officiel et Snapchat Darkman 971. All right, en tout cas merci d'être passé sur le plateau et puis c'est un plaisir. Et puis de toute façon on te retrouve vendredi pour la sortie du film. On vous rappelle qu'il sera là aussi pendant les 4 premiers jours de diffusion, donc de vendredi à lundi. N'hésitez pas à discuter, échanger, recruter, partager, c'est le but du jeu. Merci Darkman et nous bien entendu on reste avec Julien pour la toute dernière partie. Mais oui, mais ça c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.